Alors salut à toutes et à tous, c'est Marcus Black qui vous retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse pour avoir fait une vidéo à réponse FAQ sans son. Donc cette vidéo aura un jour de retard vu que nous sommes samedi 4 mai, donc je m'excuse. Donc en tout cas, je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées pendant ces 2 semaines. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va commencer avec une question de Camille Gravelaine. Combien as-tu de boîtes Lego Star Wars pour la réalisation de tes blocs? Donc j'en ai environ fait une quinzaine. Une quinzaine, c'est quand même beaucoup pour moi. Mais quand même, je pense que j'en ferai toute ma collection. Dans 1 ou 2 ans, je pense que j'aurai fait tous les personnages. Après, donc, on passe à une nouvelle question. C'est une question de Robert Gravelaine. Combien as-tu de machines de clones? Donc, j'en ai environ 5 ou 6, je pense. Oui, 5 ou 6. Donc, c'est une collection recherchée. Donc, c'est pour ça que j'en achète. Parce que c'est quand même assez rare d'en trouver sur le marché. Voilà, donc maintenant on passe à 3 questions de Damien Legoman. C'est pourquoi aimes-tu les Lego? Donc en fait j'aime bien les Lego parce que j'ai commencé les Lego il y a au moins 5 ans. Et en fait vu que les Lego c'est créatif, je me suis dit quand même que je pouvais faire une belle collection Lego, mais pas n'importe quel thème. Comme j'aime bien la saga Star Wars, je vais faire Lego Star Wars. Ensuite, une nouvelle question. Depuis quand fais-tu Lego? Donc, je l'ai dit, je collectionne Lego Star Wars depuis 2 ans, mais toutes les marques, je les collectionne depuis 5 ans. Après, vas-tu faire une ville Lego? Donc, une ville Lego, je pense que je vais pas en faire une. Je vais peut-être faire un mock Lego City. Ce serait avec un seul bâtiment, mais c'est pas vraiment une ville Lego, même si j'aurais beaucoup de murs, ou peut-être que si. Voilà. Donc on passe à une nouvelle question. C'est une question de Robert Gravelaine, encore une. C'est pourquoi fais-tu des mocks Lego Star Wars? Donc en fait, comme j'ai dit dans la question de Damien le Legoman, c'est que en fait, comme j'aime bien la saga Star Wars, je me suis dit que je pouvais faire collectionner les Lego Star Wars parce que c'est quand même assez créatif. Ensuite, as-tu d'autres marques Lego, Lego City, Lego Cima? Oui, t'es tombé pile dessus. Donc j'ai des Lego City, j'ai des Lego Cima et ma sœur elle a des Lego Friends. Voilà. Après, voilà. On passe à une nouvelle question de Camille Gravelaine. Combien as-tu de personnages? Donc j'ai environ 215 personnages. Oui, ça fait beaucoup. Mais différents, j'en ai que 150. Voilà. Et peut-être la dernière question. Oui. As-tu des sets 2019? Si oui, combien? Donc j'ai deux sets 2019. De cette 2019 et je compte bien en racheter, enfin pardon, 3 sets 2019. Je compte bien en racheter des sets 2019 parce que comme le tout dernier Star Wars va sortir en décembre, je veux quand même avoir un maximum de Lego Star Wars pour donner quand même que mon monde soit plus créatif, même si j'en ai énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à partager. Allez, salut!